Notre époque ne produit pas que des terreurs innommables, prise d'otages à la chaîne, réchauffement de la planète, massacre de masse, enlèvements, épidémies inconnues, attentats géants, femmes battues, opérations suicides. Elle a aussi inventé le sourire de Ségolène Royal. C'est un spectacle de science-fiction que de le voir flotter en triomphe, les soirs électoraux, chaque fois que la gauche, par la grâce des bien-votants, se trouve rétablie dans sa légitimité transcendantale. On en reste longtemps halluciné comme Alice devant le sourire en lévitation du chat de Chester quand le chat lui-même s'est volatilisé et que seul son sourire demeure suspendu entre les branches d'un arbre. On tourne autour, on cherche derrière, il n'y a plus personne, il n'y a jamais eu personne. Il n'y a que ce sourire qui boit du petit lait, très au-dessus des affaires du temps. Indivisé en lui-même, autosuffisant, autosatisfait, imprononçable comme Dieu, mais vers qui tous se pressent et se presseront de plus en plus, comme vers la fin suprême. C'est un sourire qui descend du socialisme à la façon dont l'homme descend du sélacanthe, mais qui monte aussi dans une spirale de mystère vers un état inconnu de l'avenir où il nous attend pour nous consoler de ne plus ressembler à rien. C'est un sourire tutélaire et symbiotique, un sourire en forme de giron. C'est le sourire de toutes les mères et la mère de tous les sourires. Quiconque y qui a été sensible une seule fois ne sera plus jamais pareil à lui-même. C'est un sourire qui a déjà écrasé bien des ennemis du genre humain sous son talon de fer. Le talon de fer d'un sourire. La métaphore est éprouvante, j'en conviens, mais la chose ne l'est pas moins. Le bizutage, par exemple, et le racket à l'école, ainsi que l'utilisation marchande et, et dégradante du corps féminin dans la publicité. Il a libéré le poitou charente en l'arrachant aux mains des barbares. Il a lutté contre la pornographie à la télé ou contre le string au lycée, et pour la cause des femmes. C'est un sourire près de chez vous, un sourire qui n'hésite pas à descendre dans la rue et à se mêler aux gens, vous pouvez aussi bien le retrouver un jour ou l'autre dans la cour de votre immeuble, en train de traquer de son rayon bleu des encognures suspectes de vie quotidienne et de balayer des résidus de stéréotypes sexistes, de poncifs machistes ou de clichés antiféministes. C'est un sourire qui parle tout seul. En tendant l'oreille, vous percevez la rumeur sourde qui en émane et répète sans se lasser formation, éducation, culture, aménagement du territoire, émancipation, protection, développement durable, agriculture, forum participatif, maternité. Imaginez Poitou-Charentes autrement, imaginez la France autrement, imaginez autrement, autrement. Apprenez cela par cœur, je vous en prie. Vous gagnerez du temps.